Les logarithmes jouent un rôle crucial en physique-chimie. Ils permettent de simplifier des relations complexes ou d'analyser des données qui couvrent plusieurs ordres de grandeur. Le logarithme décimal, log, est la fonction réciproque de la puissance de 10. Nous allons voir tout d'abord quelques relations autour du log. Tout d'abord, le logarithme décimal est la fonction réciproque de la puissance de 10. Ce qui veut dire que log de 10 puissance a sera égal à a, mais également 10 puissance log de a sera égal à a. Par exemple, log de 10 puissance 3 sera donc égal à 3, et 10 puissance log de 4 sera égal à 4. Ensuite, le logarithme d'un produit ou d'un rapport. Le logarithme d'un produit AB sera égal à la somme du log de A plus du log de B. Le log d'un rapport A sur B sera égal au log de A moins le log de B. Par exemple, log de 2 fois 10 puissance 3 sera égal à log de 2 plus log de 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 plus log de 2. Ensuite, pour un rapport, log de 3k sera égal à log de 3 moins log de 4. Ensuite, le log d'un nombre à une puissance donnée. Par exemple, log de a à la puissance b sera égal à b log de a. Par exemple, log de x carré. Nous avons une puissance 2, donc ce sera égal à 2 qui passera devant log de x. Nous avons également le log d'un nombre particulier, log de 1. Que vaut log de 1 ? Il vaut 0. Pour quelle raison ? Nous pouvons le démontrer assez facilement, puisque 1, ce n'est rien de plus que 10 puissance 0. Et donc, comme le logarithme est la réciproque de la puissance de 10, nous avons 0. L'intérêt du logarithme est également de résoudre des équations dans lesquelles nous avons des 10 puissance x, par exemple. Par exemple, 10 puissance x égale 3. Nous n'avons aucun nombre simple à trouver qui nous permettra de résoudre cette équation. Nous allons utiliser le logarithme. Nous prenons le logarithme du terme de gauche, et log de 10 puissance x. Et nous prenons également le logarithme du terme de droite. Comme le logarithme est la fonction réciproque de la puissance de 10, le terme de gauche vaut x. Et le terme de droite ne bouge pas. Si nous tapons log de 3 à la calculatrice, nous obtenons 0,477. Si nous voulons résoudre une équation dans laquelle nous avons un log de x, nous devons utiliser la fonction réciproque du log, c'est-à-dire la puissance de 10. Par exemple ici, si je prends 10 puissance le terme de gauche, ça fait 10 puissance log de x, et que je prends 10 puissance le terme de droite, nous avons 10 puissance 4. 10 puissance log de x vaut x, x est égal à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Pour voir si vous avez bien compris, je vous propose de résoudre deux équations, 10 puissance 2x moins 1 égale 5, et log de x carré égale 16. Nous avons x dans la puissance. Pour enlever x de la puissance, nous allons prendre le logarithme du terme entier de gauche, 10 puissance 2x moins 1. Et nous allons également prendre le logarithme du terme de droite. Ici, comme logarithme est la fonction réciproque de la puissance de 10, il ne reste plus que 2x moins 1 égale log de 5. Nous ferons passer le moins 1 de l'autre côté, ce qui fait 2x est égal à log de 5 plus 1. Et ensuite, pour récupérer le x, on divise les deux termes par 2, ce qui fait log de 5 plus 1 sur 2. En faisant l'application numérique à la calculatrice, nous retrouvons 0,85. Ensuite, log de x carré égale 16. Nous savons que log de x carré est égal à 2 log de x. Et si nous divisons les deux termes par 2, nous obtenons log de x égale 8. Pour enlever le x du logarithme, nous prenons la puissance de 10 du terme de gauche. Log de x est égal à 10 puissance 8. Et donc nous avons x égale 10 puissance 8. Les logarithmes décimaux sont utiles dans quelques chapitres de terminale. Nous allons voir un exercice d'application pour chacun de ces chapitres. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.